Je n'en avais encore jamais vu d'aussi belle. C'est un morceau d'étoile. Il est peut-être tombé sur la Terre. C'est un phénomène très, très rare. Celui qui sait dit vrai. J'ai déjà vu un morceau d'étoile comme celui-là. Je n'étais encore qu'un papouze. Une vieille légende raconte qu'un jour, une étoile filante, fille de Whichappi Owangila, l'étoile polaire, est tombée du ciel pour veiller sur le peuple Sioux. Je me demande à quoi peut ressembler un morceau d'étoile. J'aimerais tellement en voir un de près. Celui-ci n'a pas dû tomber bien loin. Vous pourriez le retrouver. Cela ferait un très beau trophée pour notre tribu. Dans ce cas, Rock Tranquille, la tribu peut compter sur nous. On part à sa recherche. D'accord, Graine de Bison? D'accord. C'est comme si c'était déjà fait. Avec un pisteur comme moi, tu auras ton morceau d'étoile avant la prochaine nuit. Laissez-moi faire, les papouzes. C'est une mission pour un chasseur expérimenté. Je rapporterai ce morceau d'étoile à la tribu. Vous avez ma parole. Quoi? Non, mais tu l'as entendu, ce vantard? Allez, viens, Yakari, à cheval. Il ne l'aura pas avant nous. C'est notre étoile. Nous ne pouvons pas partir cette nuit. Allons dormir. Nous aurons besoin de toutes nos forces demain. Besoin, besoin. Toi, peut-être, Yakari, mais pas moi. Je n'ai pas besoin de dormir. Ces graines de bison. Quoi encore? Assez dormi. Il faut partir chercher notre morceau d'étoile. Comment ça, assez dormi? Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit à cause d'œil de bouillon qui ronfle devant mon tépi et qui m'a forcé à dormir. À la belle étoile. Le morceau d'étoile. Oh. Je vois que tu es prêt. Allez, on peut y aller. De l'avance. Quoi? Le voilà. Il va dans la direction où le morceau d'étoile est tombé. On y va. Il ne doit pas arriver avant nous. Tu es le plus rapide, petit tonnerre. Où est-il passé? Il ne peut pas être loin. On l'avait presque rattrapé. Chut! Il est là. Il faut gagner du temps. Tu sais, graine de bison, ce n'est pas une course. Si, c'est une course.
On va trouver le morceau d'étoile avant lui. Et on aura gagné. Prêt? Prêt. Un loup. Son cheval est encore plus pressé que lui. Aucune trace. Un aussi gros morceau d'étoile n'a pas pu tomber sans laisser de traces. Il a dû faire un gros trou. Hey! Tiens, tiens. Hey! Salut les Paulatouches! Rien de cassé? Salut Akari! Vous avez vu la traînée lumineuse dans le ciel hier soir? Bien sûr, tout le monde l'a vu. Vous savez où elle a terminé sa course? Bien sûr, elle est tombée par là. Pas du tout, je sais ce que j'ai vu. Et moi aussi, j'ai vu bien mieux que toi et c'était par là-bas. C'est pas vrai. Toi, évidemment, tu sais toujours mieux que les autres. Mais moi, je sais ce que je te dis. Et quand je dis qu'elle est allée là-bas, c'est qu'elle est allée là-bas. Tu dis n'importe quoi. Salut, Yakari. Salut à toi. Tu en fais une tête. Oh, ce n'est rien. Tu n'aurais pas vu où est tombée l'étoile filante la nuit dernière? Non. Enfin, je ne sais pas ce que tu appelles une étoile filante, mais j'ai vu où est tombée la grosse boule de feu. Quoi? C'était dans la clairière, près du grand sapin, là-bas. Merci, Wapiti. Viens avec moi, graine de biseau. Hein? Hein? Mais où étais-tu passé? Je sais où est tombé le morceau d'étoile. Hé, hey, attends! Hé! Hey, séché de la rivière. C'est sûrement là. Yahoo! Oui! On l'a trouvé! On l'a trouvé! Oui! C'est la voix des papouses. Ils ont tenu parole alors. Ils sont vraiment partis chercher le morceau d'étoile. Ils n'ont pas encore gagné. Yeah! Habité. Un animal est en danger. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ça va s'effondrer. Les coyotes. Yakari. Sortir d'ici, tout va s'effondrer. La sortie de notre terrier s'est rebouchée. Nous sommes bloqués. C'est à cause du morceau d'étoile. Suivez-moi, il reste peu de temps. Doucement, petit tonnerre. Doucement. Écureuil pressé. Attention, Yakari est là-dessous. Attention. Là. Le morceau d'étoile. Oh. Oh non, mon autre petit est resté coincé. Oui, Yakari, te voilà. Tu nous as fait une de ces peurs. Mais qu'est-ce que tu fais? Il y a un autre petit coyote coincé là-dessous. Je viens avec toi. Écureuil pressé est en train de creuser dans le cratère. À cause de lui, tout va s'effondrer.
Le petit coyote est coincé là. Attention aux éboulements. Creusons vite. C'est bien le morceau d'étoile. Et c'est vous qui l'avez trouvé, les papouses. Vous l'avez bien mérité. Vous m'avez sauvé la vie. Je ne m'étais même pas rendu compte du danger. Ce n'est rien, écureuil pressé. Tant que nous sommes tous sains et saufs. C'est un véritable morceau d'étoile. Un objet sacré. Honneur à toi, graine de bison, et honneur à toi, Yakari. Attends, écureuil pressé. Tiens. C'est un autre morceau d'étoile. Je l'ai trouvé il y a bien longtemps. Hein? Prends, il est à toi maintenant. Ta générosité est grande, Roc tranquille. C'est un grand honneur.